bienvenue au Centre évangélique de Paris. Et nous sommes dans Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 16. La Bible dit, « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Amen. Donc, le malin qui gouverne le monde, comme il est écrit dans 1 Jean 5, verset 19 là-bas, que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais là, le bouclier qui peut nous permettre de parer tous les traits enflammés. Parce que ces traits enflammés atteignent quoi? Tous les domaines de ta vie. Regardez quand il a attaqué Job. Il a commencé par quoi? Il a commencé à détruire ses enfants. Il a commencé à détruire ses maisons. Et regardez ce que le diable attaque dans votre vie. Il y en a, il attaque les finances. Il y en a, il attaque la progéniture. Il y en a, il attaque le travail, les études. Il y en a, il attaque même les situations qu'on peut considérer comme banales, la situation administrative. Il attaque par là. Mais son objectif, c'est quoi? C'est pas ce qu'il attaque. Son objectif, c'est que tu fasses naufrage dans la foi. Et quelquefois même, il utilise ces faux docteurs, ces faux prophètes, enseigner des choses qui vont te détacher de Dieu. Parce que nous avons dit ici que la foi, c'est quoi? La foi, c'est avoir Christ en soi. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 12, verset 2, que l'auteur de notre foi, c'est Christ. Donc la foi, ce n'est pas une croyance banale, on croit à n'importe quoi, mais la foi, c'est croire en Jésus-Christ, et la foi, c'est avoir Jésus-Christ en soi. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la Bible dit, dans Hébreux 11, que c'est par la foi même que Moïse a refusé donc d'être dans le palais du roi, a refusé d'être appelé fils de la fille du pharaon. Il a refusé toutes ces choses par la foi. Il a préféré le propre de Christ que de vivre dans le palais. Alléluia. Amen. Mais pourtant, Moïse et Christ, physiquement, ne se sont pas faits. Mais parce que Christ traverse les âges, Christ, il est intemporel, Christ, c'est le roi de Dieu, c'est le Messie, il n'est pas dans le temps. À l'époque d'Abraham, Christ est là. Alléluia. Amen. À l'époque de Moïse, Christ est là. Et c'est lui l'auteur de notre foi. Et lorsque tu as Christ en toi, lorsque cette foi est là, assise en toi, bien-aimé, tout trait enflammé de l'ennemi, et quel que soit le domaine qui vient attaquer, que ce soit ton couple, que ce soit tes finances, que ce soit tes projets, quel que soit ce qui vient attaquer, bien aimé, c'est ta foi qui va triompher de tous les traits enflammés du mal qui gouvernent ce monde. Voilà pourquoi la foi, c'est très important. Et la foi, c'est pas dire simplement j'ai la foi, mais la foi, c'est avoir Christ en soi. Et la foi, comme je disais l'autre fois, c'est une prédestination. Donc il y en a qui sont, comme je dirais, appelés à manifester la foi. Regardez Abel. La Bible dit que c'est par la foi qu'il a fait une offrande plus précieuse que celle d'Abel. Mais puisque nous savons comment la foi arrive dans une personne, c'est en entendant la parole de Christ, moi je me suis posé la question, à quel moment Abel a entendu parler de Christ? Mais Jude nous révèle ceci, de combattre à garder la foi qui nous a été transmise. Et je me rends compte que la foi est transmise. Mais qui transmet cette foi? C'est le Seigneur lui-même qui transmet cette foi à ses élus, aux enfants qu'il a aimés d'avance. Alléluia. Amen. À ceux qu'il a aimés d'avance. Et il a fait d'eux ses enfants. Voilà pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les guerres ne sont plus nés selon la volonté de la chair, ni du sang, mais d'eau et d'esprit. Ils sont appelés enfants de Dieu.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que celui qui est né de Dieu, c'est pas simplement celui qui fréquente l'église, qui fréquente l'assemblée, mais c'est celui-là qui n'est plus né selon la volonté de la chair et du sang, qui est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire qui a reçu Christ dans sa vie. Christ est venu tabernacler en lui. Christ est venu habiter en lui. Christ a fait sa demeure en lui. Amen. Alléluia. Amen. Et comme Dieu est amour, l'amour de Dieu vient habiter en toi. Or, Jean nous révèle, Jean 15, il nous révèle que l'amour de Dieu consiste à garder, alléluia, amen, les recommandations du Seigneur. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare, il y a trois choses qui demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Et de toutes ces choses, l'amour est plus important, est plus grand. Alléluia. Amen. Et celui-là qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi je disais, quand tu as la foi en toi, bien-aimé, ça brise les liens. Ça brise la lourdeur. Ça brise le choc. Normalement, celui qui a la foi ne peut pas traîner le pied pour servir le Seigneur ou pour venir adorer Dieu. C'est ça. Celui qui a la foi, ça doit bouillir en lui. L'amour de Dieu doit crier en lui. Celui qui a la foi ne peut pas se contenir. Il doit parler de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que celui qui a la foi a de la saveur. Celui qui a la foi, la lumière est en lui. Donc il est clair là où il se trouve. Alléluia. C'est-à-dire il attire ceux qui sont dans des ténèbres. Parce que la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est qu'elle est venue nous sortir des ténèbres pour nous emmener dans son admirable lumière. Amen. Et fait de nous des enfants de lumière. Yes. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je dis, cette année, frère, la foi que tu vas manifester dans Christ en toi va attirer la puissance de Christ en toi. Alléluia. Amen. Parce que Christ est attiré par Christ. Oh. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen, amen. Christ est attiré par Christ. La lumière est attirée par la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cette femme qui perdait le sang, lorsqu'elle a touché, son toucher a attiré la puissance de Christ et s'est rentré en elle. Alléluia. Amen. Parce que entre Christ et Christ, il y a une loi d'attraction. Amen. 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 Il y a une loi d'attraction. Parce que Christ a mis un bout dans l'épouse. Et il y a un bout qui est dans l'époux, qui est Christ lui-même. Alléluia. Amen. C'est comme un homme qui va rencontrer son âme sœur. Ils vont être attirés. Alléluia. Ils ne vont pas comprendre pourquoi ils sont attirés, mais ils vont être attirés l'un à l'autre. Alléluia. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est le système. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est l'ensemble des individus. Alléluia. La Bible dit, n'aimez pas le monde, car celui qui a l'amour du monde est inimitié à Dieu. Alléluia. Le monde va te pousser loin de Dieu. Le monde va chercher à t'éloigner de Dieu. Regardez ce qui nous éloigne de Dieu. Observons dans notre vie de tous les jours ce qui nous empêche d'adorer Dieu. C'est le temps que nous passons pour les choses du monde. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est le temps que nous passons pour les choses du monde. Lorsque le pharaon a trouvé que le peuple hébreu était en train de l'échapper, il a dit augmenter la charge du travail. Mmh. Alléluia. Pourquoi augmenter la charge du travail? Pas travailler plus pour gagner plus, non. Travailler plus pour adorer moins. Travailler plus pour servir moins l'Éternel. Et la volonté du diable n'a jamais changé. Amen. Non pas que travailler c'est mauvais, non.
Je parle par là de la charge de travail que Pharaon ajoute. Je parle par là des charges de distraction que le diable ajoute, qui nous étouffe, qui nous empêche d'être disposés à aimer Dieu, à servir Dieu, à suivre Dieu. Amen. Amen. Parce que le diable, il a plusieurs moyens pour détourner l'homme de la foi. Il utilise quelquefois la persécution. Et quand il trouve qu'avec la persécution, ça ne marche pas, il utilise l'arme la plus redoutable qu'il a, la séduction. Or, la séduction est différente de la persécution. La persécution est violente. La persécution, tu la sens. Mais la séduction est subtile, multiforme. Et quand elle est là, quelquefois, on ne se rend même pas compte qu'elle est déjà là. Très souvent, celui qui est séduit, le diable a voulu détourner l'église parce qu'il a vu que ce mouvement est trop fort. Je n'arrive pas. Il a commencé par la persécution. Quand vous lisez l'histoire de l'église, les premiers chrétiens ont été livrés dans les arènes avec les lions. Ils ont été dévorés. Alléluia. Amen. C'est là où la Bible nous révèle dans Apocalypse ce que j'aime en toi. Tu n'as pas abandonné la foi même dans les jours difficiles. Yes. Où Antipas a été livré aux lions. Alléluia. Amen. Ça montre l'histoire de l'église, comment les chrétiens, les premiers, ont été massacrés, martyrisés, persécutés. Mais quand il a vu que ça n'allait pas, là il a utilisé la séduction. La séduction est très forte. Les autorités politiques sont rentrées dans l'église. On dit, nous acceptons maintenant votre Dieu. Mais ils ont dicté des lois qui ont éloigné peu à peu les hommes et les femmes de la véritable voie que le Seigneur implante. Alléluia. Amen. C'est alors que le christianisme est devenu une religion, alors qu'à la base, le christianisme est une relation. Amen. Entre Dieu et les hommes. Amen. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là que tout a été institutionnalisé, où il y a eu le cléricalisme, c'est-à-dire le clergé d'un côté et les laïcs de l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'à la base, ce que le Seigneur voulait, c'est que nous soyons frères, que nous soyons disciples, que nous soyons tous. Alléluia. Un. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. Le monde entier, c'est très puissant, c'est très profond. Là, je ne suis même pas encore rentré dans le monde, le cosmos. Alléluia. Et ses effets négatifs dans nos vies de façon individuelle et dans nos assemblées de façon collective. Mais dans tout cela, ce qui peut nous donner la victoire sur le monde, c'est la foi. C'est la foi. Amen. Parce que la foi, je répète, c'est Christ. Et Christ a remporté la victoire. Christ a remporté la bataille. Voilà pourquoi il nous donne simplement cette victoire comme une clé. Et il dit, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Quelle que soit la situation que tu traverses, je dis bien quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit, dis-moi laquelle, je te montrerai le corps de Lazare en putréfaction, en décomposition. Parle-moi de ta situation. Je te montrerai le Fils unique. Parle-moi de ta situation. Je te montrerai la fille de Jaïrus. Amen. Parle-moi de ta situation. Je te parlerai de cette femme qui était courbée. Amen. Parle-moi de ta situation. Je te montrerai les cieux de Bartimée, de l'aveugle né. Parle-moi de ta situation, frère. Alléluia. Amen. Je te parlerai du fou de Gadara. Alléluia. Parle-moi de ta situation. Alléluia. Amen. Je te parlerai simplement de l'œuvre à la croix. Là où il a remporté la victoire. Yes. Amen. Là où il a dit tout est accompli. Amen. Alléluia. Parle-moi de ton chômage. Parle-moi de ton célibat. Parle-moi de tes manques de papier. Parle-moi
de ton ménage, de ton foyer, de ta maison. Je te parlerai de l'amour de Dieu. Alléluia. Parle-moi des difficultés que tu as éprouvées, de l'humiliation que tu as vécue, des abus, de la méchanceté des gens. Je te parlerai des fouets à la croix, des crachats, de la couronne d'épines, de la côte percée, des mains clouées, des pieds cloués. Parle-moi de ta douleur. Parle-moi de ton cœur qui saigne, qui blesse, qui souffre. Alléluia. Je te parlerai de la restauration en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons ta parole. Les choses vont changer cette année. Que quelqu'un dise avec moi, les choses vont changer. Les choses vont changer. J'aimerais que quand tu le dis, que tu puisses le dire avec zèle, avec puissance. Vous savez, une chose encore. La foi, c'est quoi? C'est voir ce que les autres ne peuvent voir. C'est ça. Jésus dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais celui qui croit sans avoir vu, c'est lequel? C'est celui qui a la foi. Pourquoi il dit heureux? Parce qu'il sait que ceux qui ont les yeux pour voir, ceux-là ont la foi. Donc ceux-là, je suis en eux. Amen. Et si je suis en eux, leur salut est assuré. Alléluia. Alléluia. Amen. Si je suis en eux, donc c'est les plus heureux. Amen. Voilà pourquoi il dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc c'est comme si celui-là, il est destiné à être sauvé. Je vous ai dit, la foi est un langage codé. Quand tu lis, tu ne peux pas toujours comprendre. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Pourquoi? Parce que la foi, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Amen. Amen. Lorsque les gens regardent ta vie, ils voient la désolation, ils voient l'échec, ils voient l'errance, tu tournes en rond, ils voient les retards. Mais celui qui a les yeux de la foi, lorsqu'il voit ta vie, il voit un béni de Dieu. Amen. Il voit un élu de Dieu. Amen. Il voit un choisi, une choisie de Dieu. Amen. Une fille, un fils de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça commence par les yeux de la foi. Ça commence par les yeux de la foi. Regardez cette femme. J'ai aimé cette femme. Son fils meurt entre ses mains. Après avoir fait un malaise, elle demande à un serviteur de lui préparer l'âme. Et elle va vers le prophète. Le prophète qui, quelque temps avant, avait prié pour elle, pour qu'elle puisse enfanter. Elle va voir le prophète. Alléluia. La Bible dit, confiez-vous à mes prophètes et vos projets réussiront. Amen. Elle va voir le prophète. Et quand elle va voir le prophète, elle passe devant son mari lui dit, ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Pourquoi tu vas déranger le prophète? Y a-t-il un problème? Elle dit, tout va bien. Alléluia. Amen. Mais avec les yeux physiques, tu vois la mort. La mort constatée, cliniquement déclarée. Amen. Mais elle, avec les yeux de la foi, elle voit que l'enfant est corrompu. Alléluia. Le prophète l'aperçoit. Il envoie son serviteur. Va demander à cette femme si tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur du prophète arrive de loin. Qu'est-ce qui se passe, madame? Elle dit, tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. Tout va bien. Et lorsqu'elle arrive devant le prophète, elle dit le problème. Parce que ton problème, en fait, ton problème, ce que tu considères être problème, ce que tu magnifies, tu fais de ça une montagne. Lorsque tu en parles, tu es dans les pleurs inconsolables.
Mais il n'y a que devant le Seigneur que tu peux parler. Alléluia. Amen. 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 Ton foyer ne va pas bien. Parle-en devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui peine ton cœur, qui te fait mal. Non, ne prends pas le téléphone. Avant de prendre le téléphone, prends la Bible. Amen. Là-bas, tu peux composer un numéro aussi. Yes. Jérémie 33:3. Alléluia. Amen. Avant même de l'appeler, pasteur ceci, cela, ouvre Jérémie 33:3. C'est un numéro où tu ne tombes pas sur la réception. Directement, le Seigneur va décrocher. Allô? Je vous écoute. Parlez. Que désirez-vous? Qu'y a-t-il? Et c'est là que tu parles de ton problème. C'est là où tu dis, Seigneur, il y a ceci qui ne va pas. Seigneur, on a retenu mes papiers à la préfecture. Seigneur, Seigneur, il manque le lait à la maison. Seigneur, regarde comment les huissiers me dérangent. Seigneur, regarde comment ça ne va pas à la maison. Cette femme dit, tout va bien. Tout va bien. Mais pourtant, la mort est constatée. La mort est constatée. Mais elle dit, tout va bien. Qu'est-ce que tu as dit de ton couple? Est-ce que tu as dit, tout va bien? Qu'est-ce que tu as dit de ta situation? Est-ce que tu as dit, tout va bien? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as dit de ta vie? Vous savez, il y en a, il regarde sa vie. Il considère que lui-même, c'est un échec. Une fois, j'ai retrouvé un... C'était même pas un ami, mais on était dans le même lycée en Afrique. Et j'allais faire des courses quelque part, je le croise dans le métro. Ça fait, je crois, plus de 13 ans, peut-être 15 ans qu'on ne s'était pas vu. Et quand je le croise, je dis, mais qu'est-ce que tu es devenu? Il dit, ah, moi, tu sais, quand on est au lycée, là, finalement, j'avais pas eu le bac. Je dis, ah bon? Et alors, ah, mais finalement, tu sais, aucun diplôme. Tu sais, ma vie, pas mari, pas d'enfant. Tu sais, donc, un tableau négatif. Alléluia. Amen. Un tableau négatif. J'avais envie de lui dire, mais tu peux vivre sans bac. Alléluia. Amen. Tu peux prospérer sans bac. Vous savez que les statistiques ont été faites. Les PDG français, peut-être 10% sont moins le bac sur les 100%. Amen. Amen. C'est des gens qui se sont des autodidactes, qui se sont lancés comme ça. Amen. Amen. Dernièrement encore dans le Capital, ma femme m'a suivi, un PDG qui est jeune, qui a je crois 35 ou 36 ans, qui dirige des ingénieurs, et c'est arrêté en première. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dépeint le tableau. Négatif, j'ai dit au Seigneur. Alléluia. Et donc, il y a beaucoup de gens, quand ils se regardent comme ça, ils trouvent que il est comme, il a le regard que Gédéon avait sur lui. Ma famille est la plus petite, la plus pauvre de la tribu de Manassé, et je suis le plus petit de ma famille. Donc, ils se regardent, ils trouvent qu'il n'est plus utile, qu'il n'a rien fait de bon dans la société, qu'il ne vaut rien, qui n'est rien, qu'il est... Mais s'il savait que parmi les milliards, Dieu l'a choisi lui. Alléluia. Dieu l'a préféré elle. Alléluia. Amen. Dieu l'a préféré lui. Dieu l'a préféré elle. Donc le regard que Dieu a sur toi, ce n'est même pas le regard que le monde a sur toi. Ce n'est pas le regard que toi-même tu as sur toi. Alléluia. Amen. Pour Dieu, tu es son bien-aimé. Pour Dieu, tu es celui-là qu'il a élu. Il y a eu une élection avant la fondation du monde. Et toi, tu es parmi ceux qui ont été élus. Alléluia. Quelle que soit la forme de ton visage, quel que soit le teint de ta peau, alléluia, quel que soit le rang social, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quand Dieu te voit, il est dans la joie. Amen. Tu réjouis son cœur. Tu
fais sa fierté. Alléluia. Tu es la fierté de Dieu. Alléluia. Amen. Pas la fierté d'un ange, la fierté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es la fierté de Dieu. Écoutez, un bébé parce qu'il bave, parce qu'il a la morve, il peut penser qu'il est sale et que ses parents ne l'aiment plus. Mais dites-moi, quel est le parent qui a cessé d'aimer son enfant parce que celui-ci a la morve ou parce que celui-ci bave? Alléluia. Amen. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Donc c'est pas parce que tu vis cette situation que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime. Nous disons la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Bien-aimé, c'est ta foi qui va te donner la victoire dans ton couple. Le diable envoie des traits enflammés parce qu'il sait que plus ton couple va mal, plus ta foi va faire naufrage. Le diable envoie des traits enflammés dans tes finances parce qu'il sait que plus tes finances vont mal, plus ta foi va faire naufrage. Le diable envoie des traits enflammés, des échecs dans tes projets parce qu'il sait à espérer contre toute espérance. La Bible dit son corps était usé. Mais la Bible prend un langage sage pour expliquer les choses. Si on dit crûment, la Bible pouvait dire que Abraham ne pondait plus. Excusez. Amen. Amen. Clôture. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui a fait grâce, même dans cet état. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est cela. Et voilà pourquoi le diable va attaquer cette foi. Or, cette foi t'a été transmise par le Seigneur lui-même. Et tu dois conserver cette foi. Parce que c'est ce qui te donne la victoire dans ce monde gouverné par le malin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dimanche prochain, je vais vraiment donner plus de détails sur ce monde. Avec appel cosmos. Alléluia. Amen. 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 Et sur la foi. Pistis. Mais nous allons rentrer dans ces choses. Ne vous inquiétez pas. Parce que Dieu veut que notre foi puisse être une foi victorieuse. Une foi pas de non. J'ai la foi, j'ai la foi. Mais lorsque tu es attaqué, te voilà ébranlé, te voilà en train de pleurer. Parce que tu ne pourras jamais empêcher au diable de t'attaquer. Mais manifeste la foi et il fuira loin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a quand ils apprennent, et je connais comme ça une soeur qui me dit, j'ai fait un rêve, aujourd'hui tout le monde en prière. Au départ, quand elle faisait ces rêves-là, dès qu'elle disait, j'ai fait un rêve, donc tous, dès que tu entends seulement un prier, tu te dis, ça c'est l'attaque. Tu ne te poses pas de questions. Donc lui, il crie dans sa chambre, tu ne te poses pas de questions. Toi aussi dans ta chambre, tu commences je prie, toi je détruis. Tu fais des gestes virulents. Et ce n'est qu'après, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a une attaque. On a été attaqué. J'ai senti ça. Et il y en a quand ils prient comme ça, ils ont le sentiment que... Lui, le démon, donc il se donne des coups de poing. Il y en a même qui dit, voilà, je suis le démon, là, double passe. Le démon est tombé. Il se croit costaud. Le timbre de ta voix, les gestes, vous savez, quand on va prier, prière d'autorité, vous voyez comment les gens ont l'habitude de bouger la main, pensant que c'est une épée avec laquelle ils sont en train de détruire. C'est par habitude que nous faisons ça. Mais en réalité, ce qui fait fuir les démons, ce n'est pas ces gestes-là. C'est ta foi. Amen. Donc si tu fais ces gestes sans avoir la foi, ils ne vont pas fuir. Ils vont rester là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont rester là. Et ils peuvent même te ridiculiser. Alléluia. Ils vont te ridiculiser. C'est comme un pasteur qui nous faisait des témoignages. Une fois, on était en Afrique, il disait, il est allé prier pour une dame, prière d'autorité, de délivrance. Prier, mais vous savez, les femmes,
elles aiment bien avoir l'épargne. Or, cette femme, malheureusement, je pense, n'avait pas de sous-vêtements, alors qu'elle est venue à la délivrance. Et le monsieur qui faisait la délivrance avait fait l'enfilage. Et il avait un pantalon à pince. Et pendant qu'il délivrait, le bagne s'est dévoilé, le corps s'est dévoilé, et le monsieur s'est mis dans tous ses états, et c'est maintenant dans son corps qu'il chassait les démons. Et il se retournait, je chasse, et la personne était là, je chasse, parce qu'il était dans un état où les autres, les frères et les sœurs qui étaient là, allaient voir, mes frères, que t'arrives. Amen. Vous comprenez? Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez ou que je... Amen. Donc quand tu n'as pas la foi, le diable te ridiculise. Alléluia. Amen. Tu vas avec des bonnes intentions comme les filles de Sheba. Ils vont dire, nous connaissons quoi? Nous connaissons Christ. Mais toi qui es-tu? Ils vont te mettre dans des états. Acclamons le Seigneur. Mmh.